Salut tout le monde, bienvenue au Social Club by Orange. Ah, ça y est. Tout de suite, le récap des infos de la semaine. Dur de ne pas commencer avec la grosse info des réseaux sociaux, Twitter va progressivement passer la limitation des messages à 280 caractères. Plus c'est long, plus c'est bon ? Pas si sûr. Si vous êtes nostalgique de votre adolescence, Spotify a un cadeau pour vous, une playlist personnalisée des titres de votre adolescence. Ça s'appelle Time Capsule, et je l'adore déjà. On continue avec un autre retour vers le futur, avec le mythique Nokia 3310, qui va avoir droit à une version 3G. Et ouais, il n'y a plus de respect. Et c'est pareil pour cet étudiant américain qui a décidé de dépoussiérer le bon vieux CV. Comment ? En énumérant ses compétences sur un titre de Kendrick Lamar. Et enfin, grâce à Orange, les start-upers ont enfin leur série et ça s'appelle Startup Stories. Ils sont 10, un peu comme les X-Men, et ils sont les héros de Startup Stories. C'est un nouveau programme court proposé par Orange et diffusé sur une chaîne de télé française de septembre à octobre. Ils s'appellent Anas, Olivier ou encore Yves, et leur objectif c'est de faire progresser le monde. Startup Stories rend tout simplement hommage aux bonnes idées. Permettre aux malentendants de communiquer par téléphone, conserver le patrimoine menacé grâce aux technologies 3D, ou encore faciliter l'éducation via un simple téléphone. Quand vous aurez découvert ces 10 portraits, vous aussi vous en serez convaincu, le monde de demain appartient aux makers. Pour regarder tous les épisodes, c'est par là. Dans Facebook, il y a Face. Il n'en fallait pas plus pour que le premier réseau social au monde n'imagine un nouveau système de reconnaissance faciale. A priori, l'option permettra aux utilisateurs de prouver qu'ils sont bien les propriétaires de leur compte. Et c'est vrai qu'on n'a rien trouvé de mieux que votre visage pour vous identifier. Évidemment, si vous êtes atteint de paralysie faciale, ça va pas marcher. Bon, tout n'est pas encore au point et il faudra attendre un peu pour en finir avec les mots de passe compliqués. Mais nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ah, ça a marché.